hibernate. Bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Game of Ski. Et non, il ne sera pas consacré à Bobo le Nounours, mais à Chuchel, ce jeu complètement tordu qui va faire spoiler toute la famille devant les écrans. Alors, qu'est-ce que c'est Chuchel ? Eh ben, Chuchel, si vous avez regardé le stream précédent dans lequel on a commencé à parcourir ce jeu, c'est tout simplement un point and click, mais un point and click un peu particulier. Déjà, vous pouvez voir la gueule des bestioles. Le mot particulier est parfaitement adapté. L'autre truc, c'est que, en fait, la dérision est de mise sur chaque tableau qui propose des énigmes, puisqu'à chaque fois, il faut faire des trucs de plus en plus tordus pour arriver à solutionner la damnée quête de la cerise et pouvoir ainsi satisfaire cette envie qu'un certain Scrat ne saurait renier. Allez-vous, on file se faire la deuxième partie de ce stream. Comme d'habitude, je préviens, il y a du spoiler, les gars. Donc, si vous voulez pas vous gâcher le jeu qui vous intéresse, regardez juste le premier stream pour vous faire une idée. Et puis, laissez tomber pour celui-là, c'est pas grave si je perds de l'audience. Le tout, c'est que vous vous mariez. Et pour vous marrer, je vous garantis que ce sera beaucoup plus drôle si vous ne connaissez pas la résolution des énigmes. Surtout qu'elles sont pas très très compliquées. Alors, autant en profiter. Alors, me voilà pile à l'endroit où j'en étais, ce qui est quand même vachement pratique. Bravo, vive la technologie, vive 2018, vive... j'allais dire une connerie. Non, pas vive Windows. Mon curseur. Ah, faudrait que j'active la capture de mon curseur, on m'a dit dans le stream. Est-ce que je peux le faire à la volée? Peur de rien, le gars. Allez. Où c'est que je vais trouver cette saloperie d'option de... C'est un stream familial, modère ton langage, mon ami. Déclencher, cacher le curseur. Ah oui, moi aussi, je peux chanter en même temps. Bordel de bonnet de bain. Je n'arrive plus à trouver l'option du curseur dans OBS. Je suis déception, je suis malheur, je suis tristesse, je suis... Il est où ce purée de curseur? Bon bah vous passerez du curseur les amis, parce qu'on va pas prendre 10 heures de retard sur le stream pour une connerie d'option qui est planquée dans le fin fond du fion d'un logiciel. Moi, j'ai mon curseur. Vous avez qu'à l'imaginer de toute manière. Donc, quand vous allez voir que ça bouge, c'est forcément que je fais quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Gudule. Oh. Ma cerise. Bah ouais, mais il comprend pas lui en bas là, dans son trou. Amène-le là-haut. Tu ne veux pas comprendre. Ok. Donc j'ai mon pote que je peux saisir, mais je peux pas me déplacer avec, c'est nul. Donc quel intérêt de pouvoir saisir si ce n'est pour... Ah. Il y avait un début d'idée. Et on trouve qu'un grand là. Alors je peux pas faire ça. Si je peux pas faire ça, c'est que je pourrais faire autre chose. Il y en a bien un qui va réussir à choper. Je suis déception, je suis Noiraude avec un bonnet. Je suis Chuchel. Ah, va derrière trou moi-même. Allez, file dans le trou. Ouais, et moi je retourne là-bas. Hey.
Alors là, il y a un autre fruit bleu sur votre gauche. D'avoir une utilité, mais c'est peut-être à la fin. Là, je peux faire absolument que dalle. Et je me fais engueuler en plus. Bon, apparemment, tant que j'ai pas solutionné le truc à droite, va pas trop m'être possible de faire ce que je veux. Ok. Alors, j'ai ces fruits que je n'arrive pas à attraper. Je suis déçu. Je vais donc récupérer mon compagnon, qui pourra me servir de... Ouais, mais non. Mais il doit bien y avoir un truc là. Hop, je le tège, ça ne marche pas. Si je clique sur le Lascar, ça ne fait rien. Si je clique sur moi, ça fait que dalle. Si je le rejette, même principe, même résultat. Serais-je coincé? J'ai eu un indice. Celle-là, tu dis? Non, mais refais ton indice, j'ai rien compris là, je dois être très bête. Hein? On voit le blablu, on va l'appeler comme ça, un hein, blablu, qui mange un fruit, qui est orange d'ailleurs. Mais, pas moyen de cliquager sur quoi que ce soit. Ah! Quelle tristesse. Eh ben, sur celui-là. Et semblerait que mon associé soit aussi doué que moi. Ouais, c'est la dernière solution avec le bleu. Et on ira de l'autre côté. Not great success. That's much better, a great fail. So we can try to this one, my little friend. It's blue. Si je parlais français, ça servirait, non? Mais tu es nul, mon assistant, tu es nul ici. On va essayer la dernière option avec ce petit orange. Nous aura vraiment. C'est décevant en général quand il y a plusieurs trucs à essayer et que celui qu'on essaye c'est le dernier et on est très malheureux. Surtout si en plus il marche pas. Non, je ne suis pas coincé, je fais durer le jeu parce que je l'aime beaucoup. C'est quoi ces médisances gratuites? Moi, je peux rien faire dessus direct. Que dalle. Ah! Et si j'allais chercher mon pote? Qui lui va se faire un plaisir si on n'est pas débile? De choper la bouffe au vol? Alors le problème c'est que je peux pas le poser. Mais je peux le faire déterrer. Ça. Vas-y, c'est un panneau, t'as l'habitude. Voir premier stream. J'avoue, j'ai pas tout saisi. Hein. Oui. Vivi, vivi, vivi.
Il n'y a pas moyen de récupérer ce fruit et je me fais cartonner la tronche. Donc. Faut que j'essaie tous ces arbres. Ah, mais. Mais oui, mais. Bouge pas, Kiki. Mais c'est pas pour toi! Ok. C'est tellement moche et ridicule en fait que... Voilà. Ok, on va voir si j'ai plus la côte à piller comme ça, on va dire. Salut, j'ai cherché ma cerise. En fait, je suis déguisé là, je suis parfaitement déguisé, je ne comprends pas. Et oui, comme quoi, même dans les jeux vidéo, l'apparence, ça compte. Voilà, je suis parfaitement méconnaissable. C'est juste que je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Ok, lequel j'ai pas essayé encore. Sont graves. Oui, j'ai vu. Non, mais je vais trouver, mon gars. Je vais trouver rien. Un petit dernier pour la route. Donc, l'araignée, c'est le bleu. Ça, c'est le truc qui ressemble à rien et qui fait rire. Non, je confonds peut-être. Ou le quatrième que j'ai pas essayé. Ouais, non, lui, il a pas la côte. C'est n'importe quoi. Y a maman. Hé, maman, à très fin. C'est n'importe quoi. Peu. C'est n'importe quoi. Bon, lui, il faut pas lui filer ce qu'il y a sur l'arbre bleu. Reste là, sagement. Voilà. Donc là, faut que je prenne le bleu, je pense.
Parce que l'idée, là-bas, il y a 8 trucs. Une araignée avec 4 pattes, c'est pas mal. Vous suivez l'idée? Donc si j'arrive à me mettre en araignée et que lui aussi j'arrive à le mettre en araignée, j'ai mes petites chances. Non, t'es moche. T'es moche. On parie que c'est le orange. Non, mais je dis ça, mais juste pour pas contrarier. De toute façon, les jeux ne sont jamais contrariants. Hein. C'est des click and click and click. Nickel. Bon, eh bien bien, eh bien bien, eh bien bien sûr surtout quoi. Donc c'est le dernier truc, le orange. Là. Eh ben, que de bornes. Yes. Je reviens. C'est quand même bien tordu. Mais bon, les coups tordus dans les point and click, c'est à ça qu'on repère les meilleurs. Alors, je me serais gouré de fruits, j'y crois pas bien à ça. Non, mais c'était le bleu là, il m'a fait une blague pour me perturber. Tu as? D'accord, donc il a modifié l'ordre en fait des fruits et leurs effets. Exprès pour me foutre le chaos. Ça va se payer très cher, moi je vous le dis. Oh putain! Alors, le bon vieux principe de à la Resident Evil. Vous avez trouvé une clé. Ok, cool. Bah, tu la gardes. Ouais, cool. Tu traverses tout le niveau pendant 5 heures. Et là, tu tombes sur quoi? Une porte. Et la porte, elle est verrouillée. Donc, il faut aller chercher la clé en fait. Parce que tu pouvais pas avoir tout ce que tu veux dans ton inventaire. Ah, ces jeux, comme c'est chiant. Alors, mon idée c'était ça. Ah.
Ah bah non! De la Jello. Vivant de surcroît. J'avais un point compris, dites-donc. Eh ben, vie, il faut te mettre sur le côté et puis il faut lui sauter dedans. Et à chaque fois, il se retourne. Faire comme si je partais. Non, même pas. Oui, mais non. Et c'est pas ça que je voulais faire. Et oui, il faut penser à se servir du syndrome dessin animé qui fait que l'écran, en fait, un bord, en fait, c'est l'autre côté. Alors, les sirènes ne font pas partie du stream. Ça va être chaud là.
Elle est énorme. Non, je vais pas faire ça. Non, je ne ferai pas ça. Cet animal n'a rien demandé. C'est de la cruauté. En plus, il y a un rebond à faire. Ok. Désolé, bestioles. Je crois que ça se passe de commentaires. De toute beauté. Là, je suis en train de lui jeter toutes sortes d'objets. Je suis désolé pour le curseur qui n'est pas apparu. Pas ça non plus. Non, non, pas un combat de méca ridicule. Eh bien si. Oh putain.
que... Ah. C'est bien ça. Trois fois il crève quand même. Allez-y les gars, continuez sans nous. Petite minute déjà passée. Alors, ce qu'on va faire pour pas tout vous le spoiler, et puis les gens qui étaient encore indécis, savoir si c'était un jeu qui leur plairait ou pas, on va arrêter là le stream, et puis on fera une troisième partie, ce sera beaucoup plus simple, sur Chuchel, donc, qui est son univers complètement tordu, qui nous fait bien marrer en fait, et je pense que ce jeu, on l'aime parmi tous les autres, pas parce qu'il est révolutionnaire, pas parce qu'il est graphiquement merveilleux, c'est une question de goût. Mais juste parce que en fait c'est juste une bouffée d'air frais dans tous ces titres calibrés par des commerciaux et des gens du marketing qui prennent beaucoup trop d'importance dans la création des jeux vidéo. Et donc on se retrouve demain 19h pour un prochain stream avec Chuchel encore pour ceux qui n'en auraient pas eu assez. Les autres, je pense qu'ils ont arrêté de regarder les streams pour aller vite acheter le jeu parce qu'ils ont envie de rigoler aussi. Des bisous, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et on se retrouve demain. Ciao!